Exigence procédurale des passations des marchés publics, toujours respectée ici au bureau administratif du secteur des Kakangaï, territoire des Miabi, et ce, vis-à-vis de la gestion des redevances minières perçues de la Sinon congolaise Sassim. Devant les témoins et partis politiques, notables, société civile, administration et la presse, se déroule l'ouverture des plis samedi 29 octobre 2022. Présidé par M. José Katankou, chef du dit secteur, l'opération se rapporte à la construction d'un guest house officiel dans le secteur. Le service technique a enregistré une seule entreprise à l'issue de l'appel d'offres lancé il y a quelques jours. Divas plus Construction, c'est l'entreprise en question. Le chef de secteur promet la poursuite des analyses avant la décision finale en ayant 7 jours selon la loi. Il y a eu un soumissionnaire qui a concouru pour la cause. On s'attendait à plusieurs, mais il y a fait qu'il y ait un seul. Maintenant, ce qui reste seulement l'analyse de ce qu'il nous a déposé comme pièces qui vont nous convaincre si le soumissionnaire a répondu selon les normes et lois, selon les exigences qui étaient inclus dans les dossiers d'appel d'offres. Je pense que s'il va bien répondre, le marché lui sera offert. S'il va, je pense qu'on saura quoi faire. Nous sommes là pour suivre les stupides et la voie de la loi. Satisfait du déroulement de la séance du jour, les coordonnateurs de la société civile du territoire. L'école qu'on est en train de construire à Bakombou, dans le village de Benemwanzamanda, est déjà au niveau de la toiture. Et les travaux sont accélérés. Peut-être vers la fin du mois de novembre, qui va commencer bientôt, on va faire la remise provisoire. Et le secteur de Kakangaï a dans sa vision l'impulsion du développement à la base. Et c'est là pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut à ce que le développement commence à la base et que la communauté juste vraiment des sous-sols, vous voyez, avec la redevance minière. La SACIM est en train d'exploiter la kimberlite Tshibwe. C'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui le secteur de Kakangaï soit en mouvement.